Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Je vais vous montrer trois petits trucs vraiment vraiment sympas. Vraiment incroyable, magnifique pour une porte, vraiment une très très belle pauvre. Bien évidemment, chaque vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher le petit like, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement. Juste sachez que ça m'aide énormément. Vraiment ça m'aide énormément. Pour vous c'est peut-être rien, un petit GG, un truc comme ça c'est peut-être rien, mais moi ça m'aide énormément. Et voilà les gars, on est parti tout de suite pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et vas-y les gars, beau visage. Donc les gars, juste deux petites secondes avant que la vidéo commence. C'était juste pour vous dire que en fait, si des fois je fais des trucs inutiles, ou je fais des trucs qui seront à rien, ou je me cover pas, ou c'est normal. C'est totalement normal parce que dans cette vidéo, on va chercher les 3 retakes pour faire une belle POV. Donc il y a plein de trucs qui sont inutiles juste pour faire des clips ou une belle POV, vous voyez. Donc du coup, voilà. Vous savez que la vidéo, beau visage de ref. Pour la toute première retake les gars, ça sera un truc assez simple en vrai, c'est un peu court et assez simple, c'est très beau en tout cas à voir. Donc du coup on va commencer, en fait on va mettre un escalier, ensuite vous allez faire ça, vous allez faire, en fait vous allez faire un 90 mais genre sans mettre les murs, sans rien, vous allez faire un sol et un escalier. Ensuite là, dès que vous serez là, vous allez tourner en rond, en même temps vous allez placer un sol et un escalier, un sol et un escalier. Et là vous allez vous cover, même si comme je vous dis c'est une note pour la POV, je peux faire beau, ça c'est rien du tout de base. Ça en vrai BF si, mais t'as compris. Du coup là on va mettre un escalier au-dessus, on mettra un cône, un escalier là, un sol, un escalier encore. Vous allez éditer le sol, vous allez mettre des murs, vous allez mettre un cône au-dessus, vous allez retourner l'escalier, vous allez éditer les murs avec 2 cases ou une case comme vous voulez. Ensuite vous allez mettre un mur là, si vous voulez mettre un cône là-dessus. Ensuite vous allez prendre le truc, vous allez prendre avec un carré devant, vous allez réinitialiser, et là vous tirez sur l'adversaire. Et voilà, j'espère que cette première idée vous a plu. En tout cas, vraiment, elle est pas mal et très belle à voir. Donc pour la deuxième retake les gars, elle est un peu plus compliquée que la première, mais vous inquiétez pas. Ça va, elle est grave stylée, celle à prendre, celle-là est très stylée, mais vas-y, il faut la traîner en tout cas, c'est le seul truc que je vous dis. Si ça marche pas au début, il faut juste la traîner. Donc faut commencer, vous allez mettre un escalier, vous allez mettre une double edit, vous allez edit comme ça. Vous pouvez edit comme ça, à la place de comme ça, c'est plus beau quand vous editez comme ça. Si vous allez faire, vous allez mettre un mur là, vous allez edit, vous allez mettre un escalier, un sol, un escalier. Vous allez en même temps, dès vous, mais là je peux pas le faire vu que je suis pas en train de courir, mais si vous allez courir, vous allez mettre les murs devant, ça va être beaucoup plus, ça va être grand stylé. Ensuite vous allez editer les murs, vous allez mettre un escalier, vous allez mettre un cône au-dessus, vous allez mettre les deux murs là, pour comme ça. Ah, je suis tombé. Bon, en fait, ça va pas, ça va être très compliqué quand c'est doucement. Ensuite, vous allez passer en dessous de l'escalier. Vous allez éditer l'escalier, vous allez vous cover ici encore une fois. Vous allez éditer le mur ici, vous allez faire ça, vous allez remettre un cover ici. Un cône au-dessus. C'est un escalier ici. Un cône au-dessus, ensuite vous allez mettre un mur là au-dessus, vous voyez le mur au-dessus, on le voit là. Ensuite, vous allez faire ça. Vous allez essayer le mur là, mais là je peux pas le faire vu que je suis un para de courir. Comme je vous le répète. Vous allez mettre un escalier, vous allez retourner. Vous allez éditer le cône au-dessus, vous allez l'éditer, je mettrai un mur. Vous allez faire encore une petite. Un escalier, un mur, vous allez l'éditer les deux. Et voilà. Si l'adversaire est devant vous, bah vous tirez dessus. Et voilà, ça fait un beau clip, franchement, il est pas mal celui-là. Et voilà, les gars. Donc, les gars, pour la troisième et dernière retake, ça elle est pas mal, mais celle-là, il y a beaucoup plus d'édits pour ceux qui aiment bien, qui préfèrent les retakes avec les édits. Du coup, vous allez mettre un escalier à sol, vous allez l'éditer comme ça, vous allez retourner l'escalier, vous allez éditer le sol. Vous allez mettre un escalier, vous allez retourner aussi. Vous allez mettre un mur, mais c'est pas obligé. Ensuite, vous allez mettre un cône et un sol. Alors que le sol aussi, c'est pas obligé, mais c'est plus stylé, comme je vous dis. Si vous allez faire, ici, vous allez faire une double edit. Voilà. Vous allez mettre une triple edit, pardon. Ensuite, vous allez mettre un escalier, encore une double edit. Ce que je vous conseille, encore comme je vous dis, vous allez faire une double edit comme ça, c'est plus stylé. Ensuite, vous allez mettre un cône au-dessus, un cône là, des murs là pour vous cover. C'est beaucoup plus stylé à voir. Là les gars, on cherche la POV comme je répète, hein. Là je dis stylé tout à l'heure, mais on cherche la POV du coup c'est pour ça. Ensuite vous allez mettre un sol, un escalier, un sol au-dessus, ici encore une triple edit. Ensuite vous allez mettre un escalier, désolé si je bégaye, un escalier. Ensuite vous allez faire pareil que tout à l'heure, donc vous allez faire un pied à 90 sans mettre les murs. Et là vous allez là, dès qu'en fait, dès que vous faites le 90, vous retournez et vous mettez escalier, sol, escalier. Ensuite vous allez vous retourner et vous allez faire une... Vous allez l'escalier, dites le mur et voilà, c'est l'adversaire devant vous tirer. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ces 3 petits retakes vous auront plu. Moi ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas, que ça vous a plu, pardon.
Et voilà les gars, on se retrouve à vendredi ou samedi, on verra, pour une nouvelle vidéo. Ciao les refs, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à spammer dans les commentaires, franchement ça m'aide énormément pour le renforcement. Et vas-y, bye les refs, ciao.